C'est super, super. Là, c'est formidable. Ça donne un peu d'animation et tout ça. Cette fête, c'est notre fanfare qui arrive, donc là ça va donner. Ouais. Alors là, il y a le tour dans le village avec les lampions, enfin tout ça, donc ça va donner de l'animation. On va tous se retrouver devant la fête communale, ouais. Et puis il va y avoir de la musique avec la fanfare et puis tout. La fanfare vient du Pays Basque, hein, c'est bien ça? Non, ils sont des Herblais, mais je veux dire, bon, c'est des origines basques. D'accord. Et donc, théoriquement, ils sont une vingtaine, ouais. Et ça doit faire, ça va bouger. Donc, on va faire le tour de Montpellier, ouais. Avec les gamins et tout, leurs petites lumières, ça va être super sympa. Et puis, on se retrouve entre la mairie et puis la fête foraine. Et ils vont nous jouer un peu de musique et puis tout. Et puis après, à 11h, il y a le feu d'artifice. Et puis la fête et puis tout. Donc il y a aussi une fête foraine qui dure jusqu'au 27, c'est-à-dire jusqu'à... Théoriquement, elle dure jusqu'à mercredi parce qu'ils n'ont qu'un week-end. D'accord. Il reste que ce week-end, donc jusqu'à mercredi. Ok. Voilà. Donc, tout le monde, on va pouvoir s'amuser. Il fait beau, pas trop chaud. C'est super. Parfait. Très belle soirée qui s'annonce. Voilà, donc là on a fait toute la circulation, barrer les rues. Bon, on a toujours un peu peur parce que bon, l'organisation, il faut que ça soit. Mais bon, ça devrait bien se passer, c'est réglé. Super. Voilà. Merci Patrick. De rien. Whoa.